Bonjour Laetitia Caron de Éveil en soi. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'hypnose pour les enfants. Je pratique l'hypnose ericksonienne pour les enfants de plus de 8 ans. En dessous, je propose aux parents des visualisations pour les enfants plus jeunes. Donc, elles sont plus courtes, car la concentration des enfants est moindre à cet âge-là. Donc l'hypnose, au niveau des objectifs, ils sont variés. Cela peut être au niveau du deuil, par rapport à un traumatisme qu'a vécu l'enfant, donc pour retrouver une sérénité, un apaisement, pour diminuer le choc traumatique. Cela peut être pour travailler sur les peurs, les phobies, que ce soit peur des chiens, des chats, peur d'être seul et bien d'autres peurs. Sur les cauchemars également. L'hypnose peut avoir un impact également sur le fait de sucer son pouce, le fait de faire pipi au lit, l'énurésie. Également quand il y a séparation des parents, des peurs peuvent réapparaître. Cela peut être sur le harcèlement, sur des difficultés d'ordre scolaire, que ce soit la mémorisation, pouvoir parler en public, la confiance en soi, au niveau scolaire ou à la maison. Cela peut être pour apprendre, pour augmenter au niveau des apprentissages, pour réussir un examen, un objectif. Peut-être pour mieux dormir la nuit également. Et bien d'autres objectifs encore. À bientôt sur Éveil en soi.